suis en train de brûler donc les herbes en faisant un choc thermique. Il faudra repasser d'ici 8 à 10 jours maintenant. Et cela remplace le phytosanitaire. La commune donc, elle s'est engagée avec Acubri pour le zéro phytosanitaire. Depuis 2006, on est engagé. Depuis 2009, c'était la dernière année de phyto. Depuis, on n'utilise que donc, le thermique manuel et la débroussailleuse sur voirie et dans les cimetières. On perd plus de temps, c'est sûr, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de démarches, plus de sensibilisation environnementale envers les habitants de la ville qui ont du mal à comprendre certaines techniques. Et pour notre santé surtout, c'est ça qu'il faut se dire, et la santé de tout le monde. Il ne faut pas que ça crame, il ne faut pas que ça noircisse. Il faut passer à l'allure de notre marche. Tout de suite après le passage, les feuilles se rabaissent, commencent à sécher. Et là, d'ici demain, ça aura disparu. Ça a commencé en 2006. Bon, moi, depuis longtemps, l'environnement, la biodiversité, ça m'intéressait. Le maire, à l'époque, qui était chercheur au CNRS, lui aussi était très porté sur l'environnement. Donc, on avait été contacté par Acubri. Et de là, le déroulement a suivi, quoi. Acubri, donc association de connaissance et de protection de la nappe du Champigny, qui se situe à l'est de Paris, donc c'est 2600 km². Et la particularité de la nappe du Champigny, c'est son mode de recharge. C'est du calcaire qui fonctionne comme une éponge, c'est-à-dire que dès que l'eau est dans des cours d'eau, et ces cours d'eau ayant érodé fortement les couches du sol, c'est directement en contact avec le calcaire, ça veut dire que l'eau qui est chargée en pesticides, elle va se retrouver dans la nappe du Champigny. Et elle est utilisée pour 1 million de personnes, c'est-à-dire que l'eau, elle va être bue derrière par l'ensemble des utilisateurs, donc 500 000 Parisiens et 500 000 Seine-et-Marne. Donc la démarche d'Acubri, c'est 223 communes qu'on mobilise et qu'on va voir régulièrement pour les accompagner dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc l'objectif avant tout, c'est de les accompagner vers le zéro phyto via des animations collectives et via différents outils et différentes actions qu'on met en œuvre pour eux. Sans l'aide d'Acubri, la commune n'aurait pas pu arriver à ce zéro phyto. Même si on avait réduit la quantité, on en mettrait toujours de trop. Donc là, on a affaire à des professionnels, des gens compétents, qui nous indique vraiment les choses à faire. Sans eux, il y aurait eu, on n'en serait pas là, quoi. On essaye de garder une partie des allées en gravillon, donc l'entrée, l'allée principale sur la moitié pour le passage des convois funéraires, quoi. Et tout le restant, on laisse pousser naturellement l'herbe. Ça me choque pas de voir un truc vert avec des petites fleurs, plutôt que d'avoir une allée en béton. Hein. Est-ce que ça fait sale? Parce que tout à l'heure, il y a une personne qui nous a dit c'est sale. Pour moi, ça fait un peu de couleur. Oui, attends, c'est pas plus mal que du gravier. Hein. Voilà. Mais bon, il faut que ça soit bien entretenu. Voilà, faut que ça soit tendu quand même de temps à autre. Voilà. Que ça soit nettoyé. On est dans un petit village ici. Hein. On n'est pas dans une grande cité pleine de béton. Alors, c'est ce qu'on a choisi. Et comme là, c'est ma dernière demeure, autant que je sois dans les fleurs. Ça a le temps de repousser hein, d'ici là. Je ne suis pas pressé. Non, ça c'est sûr. Là, on voit, il y avait une allée de verdure. Et une personne a mis du phytosanitaire autour de la tombe. Donc moi, personnellement, je trouve ça quand même beaucoup plus sale, moins esthétique, cette partie jaune brûlée, que la partie verte qu'on voit qu'il y avait avant. Au contraire, c'est plus attrayant d'avoir un peu de verdure et quelques fleurs. Si c'est bien entretenu, si c'est tondu et bien entretenu, ok. On se trouve sur le terrain de sport. Bon, c'est un terrain d'herbe à vache, hein, on peut dire. C'est pas du gazon, il n'y a rien de traité. Bon, il y a juste deux cages pour que les gamins puissent jouer au ballon. Et depuis maintenant environ 4 ans, on fait une partie de fauche tardive. C'est des refuges à papillons, c'est pour l'environnement, quoi. C'est vraiment pour
pour la biodiversité. C'est pour la biodiversité, oui. C'est avoir une multitude de fleurs pour que les papillons, mais aussi tous les insectes, puissent venir butiner. Et, ça va favoriser la biodiversité au sens animaux, mais aussi végétaux, parce que là, sur le gazon, sur l'herbe à vache de monsieur le maire, c'est que des graminées ou presque que des graminées. Là, le fait de le laisser en prairie fleurie, ben, on a du millepertuis, on a de la carotte, on a du rumex, on a énormément d'espèces, on augmente la biodiversité. Ben, cette partie-là est moins comprise. Parce que, comme nous sommes à la campagne, pour eux, ben voilà, il y a les champs, ça suffit, la biodiversité, c'est dans les champs. Et tout de suite, quand on met sur cette fauche tardive, ben, les problèmes des moustiques, des temps, des insectes, si on peut dire, indésirables. Quand on laisse un carré comme ça, on a l'impression que c'est au milieu de nulle part. Il faut vraiment communiquer sur la gestion extensive, sur pourquoi on le laisse, quels sont les avantages pour la biodiversité. Voilà, donc là au niveau des rosiers, vous voyez, on a mis du paillage, comme il fait sec, ça garde l'humidité. Ça évite d'avoir les mauvaises herbes. On y revient moins souvent, quoi. Là, on peut passer du temps ailleurs au lieu de nettoyer ça. Sur les 223 communes du territoire d'Acquibri, aujourd'hui, on en a 160 qui sont signataires de la charte du Champigny et on en accompagne à peu près 190. Parce qu'il y en a qui n'ont pas signé la charte, mais qu'on accompagne dans la démarche. Et après, dans ces communes, on en a, sur les 223, on en a 36 au zéro phyto. Pourquoi si peu? Parce que c'est compliqué d'être au zéro phyto. Comme monsieur Martinez l'a expliqué, voilà, la plupart du temps, il reste un espace problématique. Ça reste le cimetière, voire les terrains de sport pour les plus grosses collectivités. Donc ne pas traiter ces espaces demande beaucoup de moyens humains, voire de matériel ou de réaménagement, mais aussi l'investissement politique, c'est-à-dire la volonté des élus de vouloir rentrer dans cette démarche. À un moment donné, c'est vraiment le binôme élu et service technique qui fonctionne et qui va permettre d'aller vers le zéro phyto. La plupart du temps, il ne reste qu'une dernière marche et qui doivent gravir ensemble pour arriver au zéro phyto. Je pense qu'au fur des années, ils vont changer de politique et accepter l'herbe un peu plus haute dans les prairies, les choses comme ça. Et puis zéro phyto, quoi. Puisque bon, il y a un moment, il faut bien qu'ils se mettent dans la tête, même s'ils ne le font pas pour eux, qu'ils le fassent au moins pour leurs enfants et petits-enfants, pour préserver la planète quand même. Vous trouvez le cimetière comment? Sale? Non, mais c'est juste un... Justement, c'est sur le côté.